I don't know who's up on yesterday. Amen. I'm going to say yes. Hallelujah. Let's say yes. Als wir beten waren, je vis une colombe, habe ich eine Wolke gesehen. Habe ich eine Taube gesehen. Branche d'olivier dans ce bec. Mit einem Olivenzweig. Et planait au-dessus des villes de notre région. Diese Taube schwebte über unsere Region. C'est un signe que cette prière. Ist ein Zeichen, dass dieses Gebet. Aïe, il y aura toujours un impact. Alléluia. Le Seigneur m'a parlé. Der Herr sprach zu mir. Dans le livre de Job 22, il dit, Job 22 sagt man, si tu décrètes une chose, wenn du eine Sache aussprichst, cela s'accomplira. Wird es sich erfüllen. Utilisons la prière de décret pour nos enfants. Lass uns dieses Gebet des Aussprechens für unsere Kinder gebrauchen. Nous parents comme des sacrificateurs. Wir Eltern als Priester. Comme Jacob. Wie Jacob. Il prophétisa sur ses enfants. Der über seine Kinder aussprach. Avant de mourir. Bevor gestorben. Il a effacé les malédictions qui étaient sur ses enfants. Er hat den Fluch von seinen Kindern weggenommen. Et ses enfants sont devenus ce qu'il a déclaré. Amen. Die Kinder sind das geworden, was er ausgesprochen hatte. Faisons cela contre tout cet esprit de. On ne veut pas donner le nom de terreau là. Donc nous ne voulons pas. Nous devons dire vraiment. Loin et loin et loin et loin de nos enfants. Wir wollen diesen Geist des Terrors nicht in unseren Kindern haben. Weit weg. Que les péchés de ces nations ne puissent jamais condamner nos enfants. Sünden dieser Nation niemals unsere Kinder befällt. C'est la prière, nous parents, que nous devons toujours déclarer. Das ist das Gebet, was nos enfants, nos petits-fils, sont consacrés à l'Éternel. Ils seront, et comme nous sommes des sacrifices, des sacrificateurs de l'Éternel. Amen. 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 Nous appelons le pasteur Guy. Nous rufons pasteur Guy nach vorne. Bénissons le Seigneur pour cette journée. Wir danken dem Herrn für diesen Tag. Depuis le début jusqu'à maintenant. Von Anfang bis zum jetzigen Zeitpunkt. Nous sommes bénis, n'est-ce pas? Sind wir gesegnet, nicht wahr? Et que le Seigneur confirme sa parole. Dass der Herr sein Wort bestätige. Qui dit qu'il ne rassemble pas les enfants par hasard, par accident. Versammelt seine Kinder nicht umsonst. Si le Seigneur est ensemble avec ses enfants, wenn der Herr seine Kinder versammelt, hat toujours une cause. Gibt es immer einen Grund. Toujours un message. Gibt es immer eine Nachricht. Toujours une orientation. Gibt es immer eine Wegweisung. Et raison pour laquelle nous sommes bénis. Das ist der Grund, warum wir gesegnet sind. Toutes les orientations qui ont été données. Alle Wegweisungen, die gegeben worden sind. Et je crois que nous rentrerons à la maison bénis. Wir werden auch gesegnet nach Hause kehren. Il y a une préoccupation qui monte dans mon cœur. Aber es gibt eine Last in meinem Herzen, die aufsteigt. Cette préoccupation est un fardeau. Es ist eine Last, qui est toujours dans mon cœur. Die immer in meinem Herzen war. J'ai prêché. J'ai prêché. Ich habe gepredigt. J'ai chanté. Ich habe gesungen. Je suis à présent. On a dansé. Wir haben getanzt. Et la question majeure. Aber die größte Frage. Est-ce que je suis sauvé? Aber bin ich errettet? Parce que le problème de nous. Aber unser Problem heutzutage ist, c'est qu'aujourd'hui il y avait l'onction. Es gab eine Salbe. C'est vrai, il y avait l'onction. Ja, es gab eine Salbe. Encore l'onction. Und die Salbung ist immer noch da. On est bénis. Wir sind gesegnet. Mais la question primordiale, aber die Hauptfrage ist, on doit toujours poser, die wir uns immer stellen müssen. Dieu, est-ce que je suis sauvé? Ist Gott, bin ich errettet? Parce que la Bible dit, wenn die Bibel sagt, le Seigneur seul connaît celui qui lui appartient. Der Herr allein kennt diejenigen, die zu ihm gehören. Je peux chanter.
Ich kann singen. Je peux danser. Ich kann tanzen. Je peux tout faire comme je fais ce soir. Ich kann alles machen, was ich heute Nachmittag gemacht habe. Être sauvé. Aber ohne errettet zu werden. Pourquoi? Comment être sauvé? Warum? Wie kann ich errettet werden? Il dit qu'on doit naître de nouveau. Man sagt uns, wir müssen neu geboren werden. Il dit que cette naissance, c'est pas comme la naissance humaine. Er sagt, diese Neugeburt ist nicht wie die menschliche Geburt. C'est Dieu seul qui le fait au travers de nos cœurs. Es ist Gott selbst, der es in unseren Herzen macht. Est-ce cela déjà passé dans ta vie un jour? Ist es in deinem Leben schon passiert? Tu as une église. Du hast eine Gemeinde. Tu as un bon pasteur. Du hast einen guten Pastor. Mais déjà, ça passé dans ton cœur. Aber ist es in deinem Herzen schon dazu gekommen? Est-ce que moi, personnellement, j'ai déjà rencontré Jésus? Ich zu fragen, habe ich den Herrn schon persönlich getroffen? Est-ce que Jésus, depuis qu'il a frappé dans mon cœur, Jesus, an dem Tag, wo er mein Herz berührt hat, est-ce que j'ai déjà ouvert son, mon cœur pour qu'il puisse entrer? Hatte ich mein Herz schon geöffnet, damit er rein? C'est là la clé, frère. Das ist der Schlüssel. Parce que comme l'apôtre vient de dire, wie der Apostel es gesagt hat, il y a beaucoup des hommes de Dieu qui meurent. Es gibt viele Männer Gottes, die sterben. Malades. Es gibt viele Krankheiten. Et moi, ma question, je me pose toujours. Und die Frage, die ich mir immer stelle, Seigneur, il t'a rencontré. Er hat diese Person dich gekannt, oder getroffen. Est-ce qu'il t'a rencontré? Hat diese Person dich getroffen? Cette question est encore posée ce soir. Und diese Frage wird auch heute gestellt. Mais tu peux me dire, pasteur, on est à l'église. Du kannst dir sagen, Pastor, ich bin in der Gemeinde. Et on a chanté. Wir haben gesungen. Mais on est tous enfants de Dieu. Aber wir sind doch alle Kinder Gottes. Moi j'ai dit non. Ich sage dir nein. Ce n'est pas parce qu'on est tous là. Es ist nicht, weil wir alle da sind. Que Dieu dit qu'on est enfants de Dieu. Dass Gott sagt, dass wir alle Kinder sind. C'est Dieu seul. Gott allein. Qui connaît qui est enfant de Dieu. Weiß wer sein Kind ist. Et si tu es là ce matin. Und wenn du diesen Nachmittag ne rate pas diese occasion. Lass diesen Zeitpunkt nicht. Réfléchis très bien aux profondeurs de ton cœur. Denke ganz tief nach. Tu vas voir. Wo sehen? Tu n'as jamais rencontré Jésus. Dass du den Herrn noch nie getroffen hast. Mais si tu es là ce soir, aber wenn du heute Nachmittag da bist, une occasion qui t'est donnée. Gibt es eine Möglichkeit für dich? En sortant d'ici, indem du hier rausgehst, nous ne savons pas ce qui va se passer. Weißt du nicht, was passieren? On peut sortir d'ici. Wir können hier rausgehen. Et ne pas arriver à la maison. Und nicht zu Hause ankommen. Le Seigneur te dira. Aber der Herr wird dir sagen. Mais tu m'as jamais rencontré. Du hast mich nie getroffen. Non, Seigneur. Nein, Herr. J'ai sorti des grands séminaires. Ich bin immer aus diesem großen evangelischen Seminar rausgekommen. Ja, ich habe dich gesehen. Du warst gegenwärtig. J'ai tapé mille fois ton cœur, mais tu ne m'as jamais ouvert. Ich habe mehrmals an deinem Herz geklopft, aber du hast mir nie die Tür geöffnet. Deuxième sujet de prière. Zweiter Gebetsanliegen. Je m'appelle. Der zweite Ruf. On a fait. On était à Stuttgart. Wir haben uns in Stuttgart gemacht. On était à Freiburg. Wir waren in Freiburg. On est à Ulm. Wir sind jetzt in Ulm. On parle de l'évangélisation. Wir sprechen von Evangelisation. Wir sprechen immer von Evangelisation. Mais mon cœur, pendant que les hommes de Dieu prichaient, und mein Herz, als die Männer Gottes sprachen, j'ai dit, mais Seigneur, que ce soit pas comme une hymne. Ich sagte, Gott, es soll keine Hymne werden. Comme une récitation. Es soll nicht wie ein Gedicht werden. Mais l'évangélisation, c'est une vie. Aber das Evangelium ist ein Leben. Tu dois poser la question. Du sollst dir die Frage stellen. Est-ce que j'ai déjà évangélisé. Habe ich überhaupt schon evangelisiert? Est-ce que tu peux être parmi les gens? Kannst du unter diesen Menschen sein? Que Dieu peut rencontrer aujourd'hui. Die Gott heute treffen wird. Et tu dis? Und du sagst dir? Je veux que tu me suis. Ich möchte, dass du mir folgst. Et toi tu dis? Und du sagst? Je suis prêt. Ich bin bereit. Amen. Est-ce que Dieu peut trouver quelqu'un prêt aujourd'hui? Kann Gott heute jemanden treffen? Pour marcher avec lui dans l'évangile. Damit er mit ihm gemeinsam evangelisiert. Chaque matin. Jeden Morgen. Chaque soir. Jeden Abend, qu'il cherche les âmes perdues. Dass er die verlorenen Seelen sucht. Deux personnes que Dieu cherche ce soir. Zwei Personen, die Gott sucht. Une personne qu'il veut sauver. Eine Person, die gerettet werden will. Et une personne qu'il veut choisir pour marcher avec lui. Und die andere Person, die mit er wandeln will. La troisième personne. Die dritte Person. C'est celle-là qui a Jésus. Ist diejenige, die Jesus hat. Mais celle-là qui ne travaille plus. Comme il travaillait avant. Und die Person arbeitet nicht mehr wie vorher. Tu as vu que le zèle que tu avais, ce n'est plus le même zèle. Du hast gesehen, den Eifer, den du hattest, ist nicht mehr gleich. Jésus aussi a besoin de toi, c'est ça. Und Jesus braucht dich heute auch. Pour que tu renouvelles cette force. Damit du diese Kraft erneuerst. Trois catégories, si quelqu'un, tu peux élever la main. Drei Kategorien. Wenn du einer von diesen Menschen bist, kannst du deine Hand erheben. Trois catégories que Dieu veut aujourd'hui. Und diese drei Kategorien, die der Herr restaurer.
heute restaurieren möchte. Quelqu'un dit, jemand sagt, je veux me lever pour l'évangélisation. Ich möchte mich für die Evangelisation erheben. Dieu équipe moi. Ich brauche die Kraft, Herr, pour que je rüste mich auf, damit ich hingehe. Les hommes de Dieu vont prier pour toi. Und die Männer Gottes werden tu hast cet équipement pour que tu puisses faire ce travail. Du brauchst diese Waffenrüstung, damit du evangelisieren kannst. Dans mon cœur, je sens, in meinem Herzen fühle ich, je n'ai pas encore rencontré Jésus. Dass du noch nicht den Herrn getroffen hast. J'ai besoin de lui, mon chou. Du brauchst. Troisième catégorie. Je sers le Seigneur, mais je suis fatigué. Ich diene dem Herrn, aber ich bin müde. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de sa force. Heute brauche ich seine Kraft. Si on peut s'élever tous, wenn wir uns alle aufstehen, wenn wir alle aufstehen könnten, si nous pouvons nous élever, wenn wir alle aufstehen könnten, pendant que la musique joue, toi tu réfléchis. Während die Musik leise spielt, denkst du nach.